Mais maman, tu disais que c'était tout petit, c'est assez grand. Bah, le clapier, c'est pas très grand. Campé sur un toit, en plein cœur de ville, à 15 mètres du sol. Une première pour cette famille de campeurs aguerris. Oh, c'est grand! Habitués à planter leurs sardines dans la nature. Plus grand qu'au scout. On fait un peu moins de camping qu'avant, mais pourquoi pas recommencer en fait. Il faut juste trouver des endroits sympas et des bonnes occasions. Voilà. Et là, t'en es une. Ah ouais, super, franchement, vraiment. Moi, j'aime bien le concept de dormir sur les toits. Enfin, ça paraît insolite, mais en fait, c'est super. Et toi? Bah, moi, j'adore camper sous la tente, mais celle-là, genre, elle est super parce que, bah, y a pas besoin de sardines et tout. Bah, enfin, vraiment, c'est trop bien. Des tentes tout en bois, un village éphémère qui ressemble à s'y méprendre à un camping. Mais c'est en fait une œuvre d'art. Pièce maîtresse d'une exposition sur l'habitat, du mal logement au logement du futur. Au niveau confort, on peut dire, effectivement, c'est très confort. Plus petit, plus compact, à l'image de ce clapier à taille humaine, une invitation aussi à réinventer les relations de voisinage. Un endroit pour se retrouver, un endroit pour se croiser, un endroit pour se laver, pour manger ensemble, pour dormir ensemble, et une manière atypique de découvrir Roubaix. C'est 9 personnes qui ne se connaissent pas, qui vont partager une espèce de mini-immeuble de camping, qui vont se rencontrer, qui vont discuter, qui vont s'entendre ronfler. Qui dit camping, dit soirée dansante, avant de rejoindre les bras de Morphée. Alors, qui c'est qui est en haut ? Moi ! Pour une nuit à la belle étoile, comme dans un cocon. Je suis pas claustro, mais même on l'est pas parce qu'on a suffisamment d'espace et on se sent isolé et à la fois ouvert sur l'extérieur. Un parfum de nature en ville, en attendant de découvrir le lever du soleil sur les toits roubaisiens.